Les spectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et aujourd'hui, nous consacrons notre dossier à la tenue en Algérie du congrès des ministres arabes de la formation technique et professionnelle qui durera du 24 au 26 décembre en cours. Ce congrès verra la participation de plus de 20 pays arabes et intervient dans le sillage des actions avec les frères arabes et le voisinage africain dans le secteur de la formation en vue d'une complémentarité économique et du renforcement du rôle pionnier de l'Algérie en Afrique et dans le monde arabe. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel constitue un maillon principal pour le décollage économique. Nous allons parler de ce dossier en premier lieu de cette coopération algérienne avec les pays arabes et les pays africains et comment que l'Algérie peut être un acteur majeur dans cette transformation économique, dans ce décollage économique avec la formation technique et professionnelle. Et pour discuter et débattre de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir notre expert en économie, M. Malek Harami. Bien le bonjour. Bonjour, Mélote. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout au début, l'Algérie est au rendez-vous, capitale, une autre fois, arabe de la formation technique et professionnelle, cette fois. Donc, nous voyons que ces échanges qui sortent du sommet arabe, l'Algérie a voulu et a donné à ce sommet cette distinction économique, ce renforcement économique du travail entre les pays arabes qui est une première. Nous voyons aujourd'hui, dans cette continuité, dans ces résolutions et qui sont sorties de ce sommet arabe, la première réunion de la formation technique et professionnelle. Tout à fait, merci Mouloud. Effectivement, il est heureux de constater que, pour une fois, l'Algérie a su donner un sens et une traduction concrète de l'action arabe, de l'action commune arabe. On commence maintenant avec la formation professionnelle. On va peut-être continuer sur d'autres domaines. Et ceci est un bon signe, c'est-à-dire que sous la direction de l'Algérie, les pays arabes maintenant dépassent le cadre du discours et des volontés Ils sont passés affichées. à l'action. Ouais, on passe à l'action, effectivement. Effectivement. Parfait. Quand on parle de formation professionnelle ou technique, l'Algérie est un pays pionnier. L'Algérie est l'un des premiers pays arabes, et pour ne pas dire aussi africains, à institutionnaliser cette formation professionnelle. Nous avons tout un cadre, c'est tout un secteur. Il n'y a pas, tout le monde le sait, il n'y a pas une seule commune ou un seul département ou wilaya algérien qui n'a pas ses centres de formation. Tout à fait. Alors, nous avons, si vous voulez, sur l'infrastructure de la formation professionnelle, nous sommes l'un des pays les mieux dotés en Afrique et peut-être dans le monde arabe. Nous avons donc, dans l'infrastructure, nous pouvons compter donc des instituts nationaux spécialisés, des centres de formation et d'apprentissage. Relevant des établissements publics et des établissements privés relevant du secteur de la formation professionnelle, mais nous avons aussi dans l'infrastructure des instituts aussi, des écoles qui relèvent d'autres secteurs comme de l'agriculture, avec des instituts qui forment des techniciens, dans l'hôtellerie, enfin dans le tourisme, nous avons aussi des établissements, des instituts qui relèvent du ministère du tourisme. Et donc nous avons toute une infrastructure en matière de formation professionnelle. Nous avons aussi accumulé, certes, on va revenir après à certaines insuffisances, mais nous avons aussi toute une batterie sur le plan de la législation et de la réglementation. Donc nous avons de la formation continue, nous avons de la formation initiale, pardon, nous avons de la formation continue et nous avons la formation par apprentissage. Donc nous avons trois au moins modes de formation. Des formations de courte durée destinées à la femme rurale, destinées à certaines populations. Donc c'est vrai que
Nous, sur le plan de l'infrastructure, comme sur le plan des dispositifs réglementaires, nous sommes très avancés, malgré un certain nombre de pistes d'amélioration qui restent encore à explorer. Parfait. Dans ce cadre, l'Algérie aussi a intégré de nouvelles formations qui vont en parallèle avec le développement de l'économie, non pas que algérienne, mais même mondiale. Les technologies, les différentes TIC, ainsi que le modèle informatique et les énergies renouvelables. Nous voyons dans ce cadre que cette formation, nous allons parler un peu dans le vif du sujet de la formation professionnelle et l'Algérie comme modèle pour ces pays arabes. Devrions-nous considérer autrement la formation professionnelle? Parce que nous avons constaté qu'il y a des clichés sociaux concernant la formation professionnelle. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un sujet, en fait, c'est un sujet passionnant pour nous tous, pour tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, dans l'accompagnement, dans la formation. Parce qu'il s'agit, aussi, c'est un sujet aussi de société, parce qu'il nous interpelle pour l'avenir des enfants de l'Algérie. Nous avons, pendant très longtemps, traîné une perception négative de la formation professionnelle, en sens que les parents, les enfants, la société a toujours perçu la formation professionnelle comme étant l'issue de l'échec scolaire. Malheureusement. C'est-à-dire que c'était le deuxième choix, voire le dernier choix après l'enseignement général. Or, il s'agit, à mon avis, aujourd'hui, de retravailler cette perception, de corriger cette perception, cette image, en le sens que la formation professionnelle, et donc le choix d'un métier, relève tout d'abord de la vocation d'une personne. Donc un enfant, déjà, dès les premières années de sa formation, à la limite à partir de l'école moyenne, on peut déjà déceler des talents, des compétences dans le travail manuel, et lui-même, il va peut-être se forger une idée sur un métier ou un autre, et donc ça va devenir une vocation. Il faudra amener les enfants et les parents à reconsidérer cette perception de la... Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine sur la communication. Nous devons communiquer envers les parents, envers les enfants, envers toute la société, sur la formation professionnelle, sur les débouchés que ça peut offrir, sur les possibilités pour les jeunes de s'auto, de trouver tout d'abord un emploi décent, un emploi... Et de monter leur propre entreprise, pourquoi aussi, pas. Aussi, de monter leur propre entreprise, ici ou ailleurs. D'ailleurs, il faudra aussi considérer et dire à nos jeunes que le monde est beaucoup plus grand que l'Algérie, c'est-à-dire un jeune qui est doté d'une qualification professionnelle, qui a un métier en main, a plus de chances de trouver un emploi ou de créer son entreprise ici ou ailleurs s'il le désire. Nous aimerions bien que nos enfants restent chez nous, mais si quand quelqu'un décide, et il est libre, de s'installer où il veut dans le monde, il vaut mieux qu'il y aille avec une qualification professionnelle. Pour revenir à la communication, je crois que nous avons beaucoup de travail à faire sur ce domaine. Pour enlever ces clichés... Mouloud, on se rappelle, par exemple, vous vous souvenez de cette très belle émission sur la télé, sur le NTV dans les années 90, qui s'intitulait « Visa pour l'avenir ». Ça s'appelait en arabe « Tachira al-Mustaqbal ». Cette émission mettait en valeur, mettait en évidence à chaque fois un jeune qui, issu de la formation professionnelle, qui a choisi un métier, qui était en train de réussir. Aujourd'hui, on a Facebook, par exemple. On peut faire plein de choses avec Facebook. Exactement. On peut faire plein de belles choses avec Facebook pour communiquer à l'endroit des jeunes et de leurs parents. Tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, tous les métiers qui sont demandés, tout ce que des jeunes comme eux peuvent réussir à travers la formation professionnelle. Parfait. Quand on parle de vocation, et qui est très très importante,
nous voyons beaucoup le modèle occidental, on va dire. C'est un modèle de réussite, entre guillemets, mais il y a une vocation. L'enfant n'est pas toujours destiné à suivre ce cursus pédagogique classique. Il est peut-être doué pour la peinture, pour la menuiserie, pour la plomberie, pour les métiers de main. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on parle de vocation. Et normalement, à l'école, et déjà à partir de l'école moyenne, normalement, les séances de travaux manuels sont censées déjà donner une idée sur, et de découvrir, découvrir les talents et des compétences et des capacités chez les petits. Parce que les choses sont corrélées aussi. C'est-à-dire, il faudrait dire que, on parle de la communication et Facebook, mais il y a aussi les programmes scolaires qui peuvent eux-mêmes faire découvrir aux enfants les possibilités que leur offre la formation professionnelle. Il faudrait amener, il faudrait arriver à dire aux jeunes aujourd'hui que nous sommes en train de construire un pays, nous sommes en train de préparer l'émergence économique de ce pays. Nous aurons besoin de techniciens, nous aurons besoin d'ouvriers spécialisés, nous aurons besoin dans tous les domaines, dans le bâtiment, dans l'industrie mécanique, dans la plasturgie, dans les énergies renouvelables. Peut-être avant d'aller sur ce volet, on va lui consacrer un bon moment. Pour choisir d'aller vers la formation professionnelle, ne voyez-vous pas que c'est le rôle aussi de l'école et de ses conseillers, on va dire, qui sont même à l'école, d'orienter, d'observer cet enfant. Il y a beaucoup de nos enfants qu'ils ont une vocation à bien aimer l'électricité, à découvrir. Et il faut les découvrir là et les orienter auparavant et ne pas les laisser... Parce que jusqu'à arriver à l'échec, déjà là, il y aura du temps qui est perdu. Parce que je parle des modèles qui existent dans les pays occidentaux. Donc, ils regardent, ils observent leurs enfants. Et quand ils ont une vocation, on a vu dans des émissions que le conseiller, c'est un conseiller social ou un truc comme ça dans la psychologie. C'est un conseiller d'orientation. C'est un conseiller d'orientation qui est sur place, qui convoque les parents et qui leur dit « Oui, votre enfant n'est pas intéressé par l'enseignement classique. Il aime tout ce du bois. » Tout d'abord, ce n'est pas exactement. Un drame. Exactement. Mais voilà. Il est doué pour l'électricité, il est doué pour la peinture, etc. Il faut l'orienter vers des établissements spécialisés. Tout à fait. Ce modèle existe chez nous. C'est-à-dire, nous le poste, oui. Le poste, oui. Maintenant, est-ce qu'on est efficace dans ce travail? Effectivement, je crois qu'il y a aussi des pistes d'amélioration à explorer dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être renforcer en nombre et en qualification et en compétences les conseillers eux-mêmes à l'orientation. Après, il y a les programmes eux-mêmes. C'est-à-dire que les programmes devraient donner plus de possibilités aux enfants de découvrir leur compétences manuelles, enfin leur vocation. Il faudrait aussi peut-être amener... Moi, je me souviens, on était petit, peut-être... je me souviens qu'à la première année de l'école moyenne, il y avait dans la matière sciences naturelles, on parlait d'élevage de lapins, d'élevage de poules, de tomates sous serre. Ça vous dit quelque chose, Cels? Et donc, déjà, ça éveillait un intérêt pour un métier, pour un secteur, pour quelque chose. Les parents doivent faire très attention parce qu'avec les nouvelles technologies, les enfants n'ont pas tendance à découvrir leur vocation ou ce qu'ils aiment faire. Exactement. Depuis tant qu'ils ne jouent plus avec des jouets manuellement, ils ne jouent plus, ils n'utilisent plus leurs mains. C'est vrai que c'est aussi un danger, je crois, qu'il va falloir... Mais il faudra que les parents et l'école travaillent ensemble justement sur cette concertation et que qu'on se libère de cet objectif de vouloir pousser l'enfant vouloir un diplôme universitaire. Peut-être au contraire, qu'il ne le veut pas. Au contraire, on est en train de voir, on observe dans la société maintenant une prise de conscience, un éveil de notre jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes poursuivent à la fois un cursus universitaire et le double d'une formation professionnelle. Exactement. Ce qui est très intelligent de leur part.
Maintenant, pour certains, ils terminent leur cursus universitaire et ils reviennent à recevoir une formation. D'ailleurs, il y en a à beaucoup participer. Dans le monde du travail qui ne travaillent pas avec leur diplôme universitaire, exactement. Mais avec des formations, qu'ils ont fait en parallèle ou qu'ils ont fait suite à leur formation professionnelle, à leur formation universitaire. Et sur ce point, nous allons revenir sur la nécessité de la formation qui suit le marché du travail. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui est consacrée à l'événement du jour. Aujourd'hui, l'Algérie connaît le début du congrès arabe de la formation technique et professionnelle. L'Algérie, qui est à l'honneur et capitale du monde arabe concernant cette formation technique et professionnelle qui regroupe 20 ministres de 20 pays arabes. Nous parlions au premier volet de ce débat sur l'importance de la formation professionnelle, l'importance qu'il faut dédier et consacrer à cette formation comme un atout économique et un atout de l'avenir de notre jeunesse et non pas une étape après l'échec entre guillemets scolaire. Cette formation technique, nous continuons toujours notre débat avec notre invité, M. Melk Harami, l'expert en économie. Rebonjour. Rebonjour. Merci. Donc, nous parlions sur cette importance et que d'orienter et de faire la liaison entre ces formations et le marché du travail. Beaucoup ne chôment pas après la formation professionnelle, mais beaucoup restent en chômage après des diplômes universitaires. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, ce phénomène, on est en train de l'observer depuis un certain nombre d'années. Il faut dire que durant les 20 dernières années, il y a eu une sorte de foisonnement d'établissements universitaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf que, en l'absence de plan, en l'absence de planification, en l'absence de carte qui colle aux besoins en qualification, aux besoins et donc de l'économie nationale, on s'est retrouvé avec une sorte de surabondance de diplômés universitaires qui, et en face, on s'est retrouvé devant une pénurie de main-d'œuvre qualifiée donc dans les métiers. Du coup, vous vous souvenez qu'on a été obligé parfois d'importer de la main-d'œuvre étrangère qualifiée dans le bâtiment, mais même dans l'agriculture. Il nous arrive aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs se plaignent du manque de main-d'œuvre qualifiée pour un certain nombre d'opérations, dans le bâtiment aussi et dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, tout un chacun d'entre nous connaît, nous sommes tous, nous avons besoin d'un mécanicien, d'un bon électricien, d'un électricien bâtiment, d'un réparateur en climatisation, en chauffage, etc. Ces personnes-là, on ne les trouve pas, on n'en trouve pas. Ce sont des perles rares dans la société. Et donc, il va falloir réorienter, effectivement, l'effort de formation sur ces métiers-là, sur des métiers qui collent davantage aux besoins de l'économie nationale. Un, parce que nous sommes en train aussi de préparer notre émergence, je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de préparer l'émergence de l'économie nationale, prenons tous les secteurs, prenons un secteur si vous voulez, le secteur du textile. Dans le textile, on est en train de parler depuis quelques semaines maintenant de relancer ce secteur. Nous avons, au fil des 20 dernières années, dilapidé le savoir-faire que l'on détenait dans la matière, textile et cuir. Il est temps maintenant, donc, une des conditionnalités pour relancer le secteur des textiles et des cuirs, c'est de former la main-d'œuvre qualifiée de demain. Donc, si on fait, M. Harami, si on fait un récapitulatif, l'Algérie vers un dynamisme économique et un renouveau économique, que ce soit elle ou les pays arabes.
Donc, ce dynamisme a besoin de main-d'œuvre qualifiée en bâtiment, parce qu'une économie émergente, c'est des ouvrages, des usines. Si on veut aller à la fabrication de l'automobile algérienne, il faudra Exactement. des techniciens en mécanique. Donc, c'est les métiers de fond qui font l'économie. Nous avons vu la manufactura en Italie, du cuisinier au menuisier. Donc, c'est ça la vraie économie. Tout à fait, exactement. Vous faites bien de parler du cuisinier. Nous sommes en train de parler. Nous nous préparons maintenant à relancer le secteur du tourisme en Algérie, à développer le secteur du tourisme. Et on aura besoin de cuisiniers, on aura besoin de pâtissiers, on aura besoin de serveurs. C'est un métier. C'est un métier qui s'apprend. On a besoin de barman, Nous avons vu en France, il y a une pénurie de serveurs. Exactement. Maintenant, les jeunes, nos jeunes, doivent savoir qu'un cuisinier, un bon cuisinier, un chef, est très demandé. Ben, c'est pour ça que il n'est pas fortuit qu'en Europe maintenant on organise des jeux concours, etc., autour de ce genre d'activité. Ce n'est Ce n'est pas pas une, ce fortuitement. n'est pas fortuit, ce n'est pas que du show, c'est aussi pour encourager et découvrir des Et talents faire aimer ces et métiers aux jeunes. tout à fait, exactement. On devrait s'inspirer de ces Sur modèles-là. ce point, il y a un propos très intéressant que le ministre lui-même a évoqué lors d'une visite à l'extérieur. Il a dit que l'apprentissage est nécessaire à tous les métiers. Et c'est vrai, effectivement, sur tous les métiers, que ce soit par diplôme universitaire ou surtout formation technique. L'apprentissage, mettre un jeune avec un grand chef cuisinier, mettre un jeune avec un grand mécanicien, avec un grand ingénieur, avec un grand architecte, c'est là, déjà, nos anciens et nos aïeux transmettaient leur savoir-faire Exactement, avec leurs exactement. apprentis. Tout à fait. Il faut dire aussi que du point de vue purement, du point de vue réglementaire, nous avons les dispositifs qu'il faut. Un, nous avons la loi a prévu des contrats d'apprentissage pour les jeunes, donc ils peuvent travailler en entreprise pendant 4 jours et recevoir une formation théorique pendant 1 jour avec un maître d'apprentissage et tout ça. Et il faut dire aussi que les entreprises sont obligées de consacrer un budget À l'apprentissage. à l'apprentissage. Mais il faudra dire aussi que sur certaines parties du dispositif, nous sommes un peu en retard. Vous savez que normalement, nous devons, dans le cadre législatif réglementaire, nous avons des conseils municipaux dédiés à l'apprentissage au niveau de chaque Assemblée populaire communale. Ces conseils municipaux de l'apprentissage ne sont pas toujours actualisés ou mis en œuvre, d'accord? Donc ils ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas constitués, dans la plupart des communes, ils ne sont pas constitués, et quand ils le sont, ils ne fonctionnent pas. Ces conseils sont censés, au niveau de chaque ville, au niveau de chaque recenser les opportunités d'apprentissage au niveau de la ville et orienter donc l'effort de la municipalité en concertation avec le secteur sur l'apprentissage pour les jeunes. Nos amis, on pourrait aussi s'inspirer de nos amis allemands où l'apprentissage est une forme très très développée chez eux pour la formation professionnelle et pour l'acquisition du savoir. Comme on pourrait aussi, notamment dans des secteurs comme l'artisanat, redynamiser ce mode, justement, comme vous le dites si bien, de transmission ancestrale du savoir-faire du maître à l'apprenti, notamment dans les très petites entreprises et dans les entreprises artisanales. Parfait. Donc, cet artisanat et pourquoi pas développer les formations avec l'environnement. Nous avons vu, j'ai eu l'occasion et le grand plaisir une autre fois d'accueillir l'une des directrices régionaux de la formation professionnelle et nous avons su qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il faut dire la vérité. Nous avons eu le modèle de Boumerdès, de Béjaïa et d'autres wilayas, Al Djelfa, Médéa. Donc,
C'est des formations qui sont développées par rapport au caractère et à l'environnement De chaque région, de chaque chaque région. Il y a des localité. régions plus industrielles, il y a des régions plus agricoles. Comment voyez-vous cette adaptation de la formation selon les régions? Tout à fait, moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord à ouvrir tout d'abord à adapter la formation aux spécificités, aux besoins des régions. Mais nous devons dire aussi la chose suivante, parce que je reviens au plan. Nous avons besoin, au niveau macroéconomique, de revenir à la notion de plan. Quand on a Pour décidé, connaître nos tout à besoins. fait, si on a décidé, par exemple, allez, demain, le dernier conseil du gouvernement a été consacré à Tissemcil. Demain, on veut développer Tissemcil. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette localité? Et à partir de ce moment-là, donc s'il y a un plan pour installer tel ou tel type d'industrie Ouais, il y sur aura une place, il y aura vision une vision au sur les niveau, besoins. exactement, au niveau de la formation professionnelle et même au niveau de l'université. Ceci dit, il y a aussi quelque chose que beaucoup de nos jeunes ignorent, c'est que dans notre infrastructure de la formation professionnelle, nous avons des instituts à caractère national. Les INFSP sont des instituts nationaux et donc avec ils peuvent héberger aussi avec des capacités d'accueil et d'hébergement. Et donc un jeune un jeune de Rentschla qui veut se former sur une spécialité dans l'électronique, il peut aller dans un institut spécialisé avec possibilité d'hébergement sur place. Comment voyez les instituts de la poste, Tout les à fait. instituts de Exactement. Et l'ingénierie voilà. sans baccalauréat? Et tout à fait. Voilà. Donc il y a aussi maintenant, dans le cadre de la formation professionnelle et même dans le cadre de l'agriculture, il y a des instituts qui peuvent accueillir les stagiaires pendant tout leur cursus universitaire, de formation professionnelle. Donc ils ne sont pas obligés de rester dans leur localité si la vocation du jeune est de choisir un métier qui n'est pas disponible dans sa wilaya ou dans sa municipalité. Parfait. Bon, avant de finir notre débat et revenons à la réunion des pays arabes sur la formation technique et professionnelle, qu'est-ce que peuvent les pays arabes faire en s'échangeant les expériences? L'Algérie pourra déjà, il y a certaines expériences dans d'autres pays et elle pourra exporter, quand on dit exporter son expérience, c'est exporter des services et de la formation. Tout à fait. Moi, je crois que partons de notre capital, de tout ce qu'on a capitalisé en matière de formation professionnelle, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'infrastructure, comme en termes d'encadrement juridique et législatif et réglementaire, nous pouvons apporter beaucoup de choses à nos frères arabes. Et inversement, nous pouvons aussi développer avec les pays arabes des possibilités d'échange de formation dans certains métiers. Ou Je vais pourquoi parler pas par exemple de la. d'apprentissage aussi. Prenons justement, prenons par exemple deux petits exemples concrets. Les Syriens ont une très belle expérience dans le textile. Oui. Nous voulons développer le textile, nous pouvons échanger avec les Exactement. Syriens sur le développement des métiers liés au textile et au cuir. Nos frères tunisiens sont très avancés sur certains secteurs, certains métiers dans l'agriculture. On pourrait aussi bénéficier de leur expérience pour former des tailleurs en olivier, enfin des techniciens dans certaines branches de l'agriculture. Idem pour certains autres pays où l'on peut Donc déjà, aussi. rien que pouvoir envoyer nos jeunes pour de l'apprentissage dans certains métiers dans les autres pays arabes, déjà, C'est une très bonne c'est une opportunité, avancée. mais j'aimerais aussi rajouter la chose suivante, c'est qu'on pourrait, bon, on va, le cadre aujourd'hui, c'est de parler de la coopération arabe, mais on pourrait aussi, et on devrait, à mon avis, Partir à la coopération africaine aussi, et européenne. importer des expériences européennes. Je parle du textile et du cuir, donc on pourrait amener des maîtres italiens, français,
à venir ici former des artisans et former des formateurs, des futurs formateurs. Ou envoyer sur place des apprentis. Parce que c'est comme le modèle chinois, exactement. Ou même ceux du Moyen-Orient. Exactement. Maintenant, ils ont un retour d'investissement. Ils ont envoyé des apprentis à l'étranger. Exactement. On pourrait aussi, par exemple, profiter des expériences de la Turquie dans la valorisation des produits agricoles, dans le séchage des abricots, dans un certain nombre de procédés comme ça. Dans la fromagerie, dans un certain nombre de procédés, on pourrait envoyer nos jeunes se former et revenir, devenir eux-mêmes formateurs, donc dupliquer la formation ici pour leurs frères. Parfait, merci beaucoup Monsieur Malik Harami. Et il n'y a pas plus important qu'un métier, car le métier est la richesse elle-même. Nous vous remercions pour votre intervention, notre expert en économie, comme nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.